les fourmis rouges là. Là, là, les fourmis rouges. Et ça pique. Ça pique là, hein. Les marchés là, dessus là. Elle est tombée sur le nid de fourmis rouges là. Voilà, alors là, les fourmis rouges. Bon, c'est pas un film sur les fourmis rouges là. Voilà, alors là, on va prendre des poissons millions. Voilà. On va descendre, prendre des. Il y a des liserons d'eau, tout ça là. C'est une idée pour l'aquarium là. On va descendre. Catastrophique. Alors voilà, il doit y avoir une petite plateforme là comme ça. Vous arrivez là, on va aller prendre les poissons millions. Et non seulement on va prendre les poissons millions, mais on va prendre les herbes millions là. Alors ceux-là là, s'ils s'accrochent en pantalon, ceux-là là, je vous explique pas, vous en avez plein dans le paletot, dans le pantalon, sur les cuisses et partout. Alors là, il y a même des je sais pas comment ils appellent ça là, ça vous pouvez manger. Il y a même des lentilles là. Vous voyez, vous avez des lentilles pour l'aquarium. Il y a tout dans la nature, hein. Merci Seigneur, hein. Il suffit simplement de forcer un peu là. Voilà, mets un peu de. Tu vois, avec les lentilles d'eau, il y a des lentilles d'eau, vas-y, remplis. Voilà, remplis. Voilà, hop. Alors, si ça se trouve, il y en a, vous voyez, on voulait avec les épuisettes, si ça se trouve, il y a déjà des poissons millions dedans. Ah ben oui, il y a des poissons millions, vous voyez, on n'a même pas eu faire, on n'a pas besoin. J'ai rempli simplement de l'eau. Regardez le nombre de poissons millions. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez même ça. Oh. Ils sont là déjà. Oh, ouais, c'est trop. Alors là, ils sont déjà là. Vous voyez? Voilà, ils sont déjà là. Voilà. Voilà, assez vite fait. Là, on peut faire comme ça là. Tiens, il y a même des coquillages assez. C'est juste des lentilles d'eau, des lentilles d'eau là. Tout comme ça, là, il y en a un peu partout là. Voilà. Un petit peu de lentilles. Hop. Là. Voilà. Voilà. Une plante, oui, on va essayer de récupérer ça aussi là. Alors tiens, voilà. Alors là. On va prendre aussi ça un petit peu. Avec des racines. Vous voyez, il y a tout dans la nature. Voilà, il y a plus de racines là. On va regarder ça. Alors on va prendre un petit morceau. Et pas belle la vie. Alors celle-là, pour mon aquarium, je vais pas la prendre. Hein. Celle-là, non, là, alors là, je vous explique pas. Hein. C'était une super pêche. Alors... Évidemment, l'eau qui est dans l'aquarium, qui est dans ce seau-là, on va l'acclimater. Hein. On va acclimater les poissons, on va leur mettre de l'eau de l'aquarium petit à petit pour les acclimater. J'ai déjà fait l'expérience et il n'y a pas de souci, hein. Ils arrivent à vivre, à survivre et tout ça. Hein. Donc, je vous amène à la maison pour voir mon aquarium. Hein. Allez, on y va. On va acclimater tous les poissons qui sont ici, là. Voilà. Voilà. Rien que du beau monde. Des escargots, des plantes aquatiques et tout ça. Alors pour l'acclimater déjà, on prend une petite bouteille d'eau puis on le met un petit peu comme ça dedans. Voilà. Voilà un petit peu. Hop! Et là ça bouge là-dedans. Regardez. Vous voyez pas, c'est normal, moi non plus je vois rien. C'est trouble. Et petit à petit, vous allez voir qu'ils vont rentrer dans cet aquarium. L'aquarium, c'est pareil. Je viens de recevoir cet aquarium. Il n'est pas rempli parce qu'il y avait de l'ancienne eau et je rajoute un peu des bouteilles fur et à mesure pour remplir. Voici les labidochromis qui nécessitent d'avoir une température entre quoi, 24 ou... Alors oui, voilà. Alors on m'a dit, je vais les tuer parce que j'ai enlevé le thermomètre.
Et alors je l'ai acclimaté, on m'a dit non, fais pas ça, non, non, mais j'ai enlevé, regardez, ils sont toujours vivants. Oui, alors on m'avait déconseillé fortement, et résultat des courses, ben, j'aurais moins d'électricité à payer. Voilà, bon, avis aux amateurs. Bon, si vous vivez au pôle Nord ou en France, là c'est sûr que ne faites pas ça. Mais voilà. Si vous les mettez comme ça au fur et à mesure, ils vont se faire bouffer, les Africains, ils attendent. Qu'est-ce que vous, vous allez faire? Vous allez les mettre dans un pot, hein, et vous allez fermer le couvercle. Vous allez plonger ça dans l'aquarium, je vais vous montrer, et vous allez l'ouvrir dans l'aquarium à côté de l'amphore. Comme ça, ils vont rentrer dans l'amphore. Ils vont rentrer dans l'amphore et dans l'amphore, ils seront plus forts. Hein, comme le dit l'amphore. Hein, vous avez compris ce que je veux dire? Bon, maintenant, exécution. Encore pour remplir mon aquarium d'eau, là, je mets de l'eau, par exemple, 2-3 bidons par jour. Là. Voilà. Bidons. Des bidons d'eau pour. Des bidons, c'est pas un bidon. Ouais, des bidons d'eau, là. Voilà. Voilà. C'est un, petit, c'est un petit bidon, un petit bidon d'eau, quoi. 200 voilà. Litres. Voilà, voilà, pour acclimater. 200 millilitres. Parce que. Un bidon. Les poissons avaient une autre eau qui était c'est différente. Ça, j'ai pas de languette pour le pH ni quoi que ce soit. Et, mais. Ah, tu l'avais où, il se porte très bien. Donc c'est... Et ben voilà. Et voilà. Donc encore une économie de languette. Encore, voilà. On n'arrête pas de faire des économies. Les Africains bougent dans tous les sens. Ils sont contents. Voilà, ils sont contents. L'autre, il est dans l'amphore. Là, il est content. C'est lui le chef. Et. Faut qu'il voit. Alors, je lui ai demandé de sortir la tête. Je vais faire ça. Et ouais, ouais, justement, il sort la tête, vous voyez. Il sort la tête. Voilà. La tête de l'eau. Et voilà, il sort la tête. Et voilà, tout entier. Vous voyez, c'est pas joli ça, merci. Vous pouvez rentrer. La suite à la prochaine émission. Alors, encore un petit peu d'eau. C'est la troisième fois, disons, 10 minutes. Voilà. Hein? Bon, ils sont contents, de toute façon, vous inquiétez pas, c'est des poissons qui vivent dans la saleté. Alors, il y en a qui meurent à cause de la saleté, eux, ils risquent de mourir justement avec de l'eau pure, c'est le paradoxe. Enfin, de l'eau pure, c'est de l'eau du robinet quand même. Hein. Pareil, je vais fermer, toujours par économie de courant. Non, c'est pas qu'on est radin, mais attendez, il est le bouton. Voilà. Là. Voilà, un petit bouton qui est là, le petit bouton. Là. Pourquoi? Parce que on a l'air du... La lumière du jour, regardez-moi comment c'est joli. On a la lumière du jour. Hein? Allez, amis, alors, il faut en profiter. Hein? Vous savez, la COP21 là-bas à Paris, qu'est-ce qu'ils ont fait la COP21? L'énergie, l'énergie. L'énergie. Et regardez la lumière qu'ils ont. C'est suffisant. Prenez soin de vous. Suffisant. Arrête de faire l'écolo là. Je suis un écolo. Une eau. Dans écolo, il y a eu l'eau. Non, même pas. Il y a l'eau. Ben voilà. Alors, eh ben voilà, il y en a un qui est parti, là, à cause de la veuve. Comment la veuve? Dorée. La veuve dorée. Mais bon, elle est contente du voyage, la veuve dorée. On met un qui n'est pas encore acclimaté, pour voir. Voilà. Tu vois? Voilà, il est là. Ah, il est là, je ne sais pas si vous le voyez. Mais le jeune, il va manger. Oh, hop. Je ne sais pas s'il a bouffé. Je ne sais pas s'il a bouffé. Il a mangé. Le piranha, il a mangé. Il a mangé? Et voilà, voilà. Alors, il n'a pas eu le temps de s'acclimater, celui-là. Merde. Alors, je ne sais pas. J'espère qu'il a loupé. Il n'a pas loupé. Comment il s'appelle, celui-là? C'est quelle race de... La veuve dorée. La veuve dorée, ouais. Voilà. Mais il y a une autre qui est veuve, là. C'est le poisson million. Il avait femme et enfant. Mais voilà, c'est... Non. Et la veuve, ce n'est pas celui qu'on croyait. C'est pas celui qu'on croyait, mais c'était l'autre. Deux fois que je mets de l'eau, regardez, c'est encore trouble. Hein. C'est encore trouble. Hein. Ouais. Pour dire que ces petites bestioles-là, elles savent vivre dans l'eau trouble et tout ça. Mais ils sont là. Il y a même des coquillages. Hein, vous rendez-vous compte? Des coquillages. Alors, on va voir ça. On va les mettre là-dedans. Regardez. Regardez. La plante, elle commence à couler. Très peu. Elle coule un peu, mais c'est très bien. Les Africains n'y voient aucun inconvénient. Nous avons aussi le poisson requin qui vient d'Asie, là, avec, il y a un autre avec la queue rouge, là. Comment le il s'appelle? Le noir. Le baléo. Alors, il m'a dit déjà, le copain, là, quand ils ont la queue toute rouge, c'est qu'ils sont contents. L'ABO. Ouais, l'ABO. Alors, quand ils ont la queue rouge, ils sont comment? Ils sont contents? Très en forme. Ah, ils sont en forme. Ils sont en forme. Ouais. Où il est? Ah, il doit pas être en forme parce qu'il est caché, là. Ah, il est là. Il est là. Non, voilà, il est là. D'abord, moi. C'est des joueurs, les jaunes. Hein. C'est des joueurs. C'est des joueurs? Les Africains, là?
Ah là. Ouais, il fait quoi? Il fait des blagues. Allez. Comme des poissons clowns. Alors, encore un petit peu d'eau pour acclimater toute la bande, là. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hop, stop. Il va partir. Voilà. C'est le cadeau de fin d'année. Hein, c'est le cadeau de fin d'année, surtout. Voilà. Hein, il m'a jamais fait de cadeau. Et jamais, d'ailleurs, jamais. Ben, ça fait rien. Alors, ben voilà, pour le récompenser. L'amitié, c'est pour plus le récompenser. L'amitié, c'est plus important que le cadeau, quand même. L'amitié est plus important quand même. Alors, pour le récompenser, tiens, mon œil, je l'ai fait voir le coin à Poisson Million. Hein, que vous avez vu dans le Poisson Million. Ouais. Il ne savait pas. Non, c'est un secret, c'est secret sport. Hein? Et éventuellement, quand il y a des cyclones comme ça, vous pouvez même faire du surf là-dessus. C'est fantastique ce point. Et je sens que sur la fin, il va vider tout son bidon là. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par la suite, parce que lui, il est intarissable comme la rivière, là, que des petits escargots que vous pouvez trouver dans la rivière, ils sont minuscules, hein, il faut vraiment les voir, mais vous avez des petits escargots de rivière que vous pouvez mettre dans l'aquarium. Par contre, vous pouvez lui brosser la coquille d'abord, parce qu'après, vous allez vous récupérer des algues dans l'aquarium qui vont s'agglutiner sur la paroi. C'est ce que tu fais. Donc, vous leur brossez un peu et vous le mettez dedans. Sauf si vous aimez un peu les algues, parce que moi, j'en ai eu avant. Et à force de nettoyer le filtre et tout ça, nettoyer la paroi, les algues finissent par disparaître. Pour moi, ça a été comme ça. Bon. Le maître à côté là nous dit que je lui ai demandé si on peut mettre un escargot, il m'a dit voilà, un seul. Non, il me semble qu'il y en a plusieurs dans le bac. Oui, il y en a plusieurs. Alors on va prendre un escargot. Prendre un escargot. Moi je me demandais si c'était pas un escargot d'eau de mer. Voilà. Fais-moi voir un peu l'escargot. Et voilà. Mise en eau de la liane, alors ébouillie par le néon, là voilà. Alors évidemment, ça flotte.